C'est vrai qu'il y a différentes définitions du conflit, il y a différentes définitions de la paix, il y a différentes négociations, il y a différentes compréhensions en fait de la négociation. Mais pour pouvoir répondre à ces questions, la première chose qu'il faudrait en fait envisager, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on appelle l'Afrique. Et pourquoi généralise-t-on ? En fait, pour un continent qui est un continent d'une très très grande diversité, mais un continent aussi où les choses changent très très rapidement et où quelquefois des informations qui sont collectées il y a 5 ans ne sont plus valables parce que les choses ont changé, parce que les Africains d'abord bougent beaucoup à l'intérieur du continent, parce que les Africains, disons, s'évertuent à comprendre qui ils sont et quels sont leurs problèmes, non seulement à partir de leurs propres traditions, qui sont des traditions qui changent, et ça aussi c'est important, mais à partir aussi d'une construction de ce qu'ils sont, par les Occidentaux et par eux-mêmes, dans une période qui est une période très contemporaine. Et c'est ça qui rend difficile, si vous voulez, une réponse à aux questions que vous posez. Parce que quand on dit comment comprendre la violence, comme dans toutes les sociétés humaines, parce que les sociétés africaines sont des sociétés banalement humaines. Et ça, tant qu'on ne comprendra pas, on ne comprendra pas ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'Afrique a toujours été pensée, et je dis bien y compris par des Africains, comme un objet qui dysfonctionne, et qui dysfonctionne par rapport à une norme qui est la norme occidentale. C'est un peu, si vous voulez, ce que le philosophe, si on peut l'appeler ainsi, congolais, appelle l'invention de l'Afrique, ou la manière dont l'Afrique et les Africains sont imaginés. Et dans cette imagination des Africains, c'est-à-dire d'une Afrique qui dysfonctionne, il y a deux éléments qui sont des éléments importants pour comprendre la violence en Afrique. Premier élément, c'est que les Africains sont naturels. Ils sont et font partie de la nature. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent donc de manière beaucoup plus, si vous voulez, animale. C'est-à-dire que leurs normes culturelles n'arrive pas à envelopper, à contenir le caractère beaucoup plus instinctif de leur réaction. Et c'est ça le problème, cet écart entre une culture qui englobe, organise et, si vous voulez, domestique les instincts et des sociétés qui sont des sociétés qui réagissent de manière beaucoup plus instinctive. Et c'est ça qui est intéressant. Quelquefois, Sarkozy l'a fait, on interprète la fameuse phrase de Senghor de cette manière. C'est-à-dire les Africains sont des objets naturels, qu'ils ne sont pas des objets culturels. Et dans cela, en fait, la violence a toujours joué un rôle très important. Vous savez, dans le cadre de la conférence de Berlin, la mission civilisatrice pour aller arrêter la sauvagerie des Africains. C'était ça le prétexte qui était brandi pour la colonisation. Donc la violence, elle est présente dans la définition même de l'être africain. Et c'est une violence, et c'est ça le deuxième élément, une violence qui est toujours aveugle. Parce qu'il y a une violence légitime, semble-t-il. Il y a une violence rationnelle. Là, dans le cadre africain, cette violence est une violence irrationnelle. Et c'est ça qui définit le rapport des Africains à la paix.
C'est-à-dire le rapport à la paix est un rapport toujours opportuniste. Parce que justement, ils sont imprévisibles, ils sont irrationnels. Là aussi, on a une situation qui est une situation de dysfonctionnement. En fait, la paix leur est apportée. Les Africains tout seuls ne peuvent pas vivre en paix parce qu'ils sont divisés, parce que ce sont des sociétés fragmentées. Et là aussi, on retrouve en fait cet élément qui est un élément fondateur du projet colonial. On parle de la paix coloniale, la pacification. On pacifie des gens parce que, qu'ils se battent constamment. Donc, il y a d'une part la permanence de la guerre et d'autre part ce qu'on pourrait appeler l'extraordinaire opportunisme par rapport à la paix. Donc, la paix est accidentelle en Afrique. Elle ne peut être imposée, si vous voulez, que de l'extérieur. Donc c'est dans ces moments, dans cette configuration et la définition à la fois de l'être africain et de son rapport à la paix et à la violence, à partir d'une norme qui est une norme occidentale, qui explique que la paix est toujours apportée en Afrique. Et on est toujours dans cette logique qu'on pourrait tracer de la période coloniale à nos jours, y compris l'intervention en Libye, parce qu'il va falloir faire en sorte que, justement, la guerre soit limitée dans un cadre qui est le cadre rationnel d'une violence acceptable. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Par exemple, quand Sarkozy dit qu'il faut faire passer une résolution pour éviter l'utilisation des armes lourdes et de l'artillerie, ça devient quelque chose qui est spécifiquement africain. Et là aussi, c'est lorsque les Africains retournent à leur état d'origine, c'est-à-dire un état de dysfonctionnement qui fait que la violence est toujours aveugle et qui fait que la paix devient impossible, mais aussi quelque chose de provisoire. Si vous prenez une perspective qui est une perspective occidentale, oui, l'idée de paix est difficilement acceptable. Il ne peut y avoir une paix qu'une paix limitée et communautaire. À l'intérieur d'une communauté qui inclut ses propres membres et exclut tous les autres membres, et qui a un rapport à l'autre qui est un rapport qui est complètement, en fait, un rapport d'hostilité et non un rapport de coopération et de bon voisinage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la lecture européenne est une lecture qui fait effectivement que le dysfonctionnement, l'irrationalité, l'absence d'institutions politiques, l'absence d'un État centralisé et rationnel, fait qu'on ne peut pas revenir à la stabilité et l'organisation sociale qui définit un État policé et civilisé. Les sociétés africaines ne sont ni policées ni civilisées. Donc elles ne peuvent être définies que par la guerre. Et ça devient aussi le prétexte, le discours de légitimation de la nécessité d'intervenir en Afrique. C'est ce que je disais tout à l'heure, la paix est toujours imposée. Elle n'est pas propre aux sociétés africaines. Mais ça veut dire maintenant que, pour moi qui suis historien, comprendre les mécanismes de déchaînement de la violence et de rétablissement de la paix suppose à comprendre une trajectoire qui est proprement interne aux sociétés africaines, avant la colonisation et après la colonisation. Et bien sûr, on constate qu'il y a des règles d'établissement d'une paix sociale à l'intérieur des communautés, mais une paix sociale qui n'est pas nécessairement fondée sur une rationalité à l'occidental, où on essaie toujours de trouver une norme consensuelle qui permet de dire les gens sont d'accord pour faire ça. Mais on peut trouver des sociétés où, en fait, l'idée d'une norme consensuelle n'est pas donnée par la loi, si vous voulez, mais la norme consensuelle, elle est produite par les conflits. Et chaque conflit produit sa solution.
Par exemple, certains chercheurs ont montré que, en fait, si vous voulez, l'appropriation du foncier n'est pas nécessairement fondée sur l'idée de telle partie de tel espace appartient à telle personne, tel autre appartient à telle personne. Mais il y a toujours des zones d'ombre qui font que, justement, pour avoir la paix et éviter le conflit, les zones d'ombre ne doivent jamais être définitivement effacées. Ces zones d'ombre imposent une négociation continue. Et je pense que quand on parle de la palabre africaine, c'est ça que ça a signifié. Ça n'a pas signifié que les gens s'assoient et dialoguent, mais ça signifie que les gens sont capables constamment de dialoguer. De renégocier en permanence. Absolument. Et cette renégociation est la condition de la paix. Si vous n'avez pas de possibilité de négociation, vous n'avez plus de conditions de paix. Et ce que ça dit, c'est en fait ce que la colonisation a fait, en particulier dans le système anglais de l'indirect rule, où on a rigidifié les frontières entre les sociétés, les frontières culturelles, les frontières religieuses pour les besoins de l'administration coloniale. Et on a créé des unités qui sont des unités qui se contiennent elles-mêmes, cassant justement ce dont je parlais tout à l'heure, cette volonté constante de négociation, une négociation permanente qui permet l'établissement de la paix et qui n'évite jamais le conflit, parce que le conflit est conçu comme quelque chose non seulement qui existe, mais de nécessaire. Et ça, en fait, les historiens l'ont montré. Un historien comme Ranger, qui parle de l'invention de la tradition, a montré comment cette invention a cassé la fluidité. Mais aussi John Ayliff a montré, comme il dit, les Anglais ont créé les tribus pour pouvoir gérer les Africains. Les Africains sont rentrés dans ces tribus pour pouvoir fonctionner dans le système que les Anglais ont créé. C'est valable aussi pour l'administration française. Donc, on voit très très bien comment, en fait, les dynamiques internes ont été réorientées, corrigées pour créer un autre espace. Mais dans cet espace, justement, le décalage entre, si vous voulez, les ressources juridiques du conflit et de la paix telles que conçues dans les États modernes et les ressources qui existaient avant, mais dont le cadre a disparu, crée une dynamique qui est une dynamique, disons, qui pourrait être la cause de la sauvagerie, quelquefois, à laquelle on assiste en Afrique. Mais parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas imaginer une Afrique qui entre dans la modernité sans ses bagages. C'est ça le problème. Et ces bagages ont changé. C'est surtout ça qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est cela aujourd'hui, c'est cette question que les Africains doivent penser. Qu'il n'y a pas une seule modernité, mais qu'il y a une histoire générale de la modernité avec des déclinaisons qui sont des déclinaisons différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la modernité occidentale n'est pas la modernité africaine. Et la modernité africaine n'est pas, si on regarde en Asie, les différentes modernités asiatiques, chinoises, coréennes, japonaises, indiennes, etc., etc. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est est-on capable d'inscrire une modernité, et je dis bien, probablement ce n'est pas une modernité alternative, mais c'est une déclinaison africaine de la modernité dans un cadre qui est le cadre de l'histoire générale de la modernité. Vous savez, la modernité occidentale, elle a emprunté à plein de cultures, mais elle les a remixées. Sommes-nous capables de remixer à la fois nos ressources internes qui ont profondément changé, mais les ressources qui viennent de l'extérieur? Nous vivons, on est banalement humain. Nous vivons dans un monde où nous empruntons, nous nous ajustons, nous adoptons, nous laissons tomber, etc., etc. Donc cette modernité africaine, si on revient à votre thème du conflit et de la paix,
cette modernité doit prendre en compte cette culture, ces cultures africaines de la paix, ces cultures africaines de la négociation. Ça veut dire effectivement l'idée de la négociation constante doit empêcher la guerre. Elle peut servir à empêcher la guerre, premièrement. Deuxièmement, elle amène autour de la table de négociation tous les acteurs, quelle que soit leur légitimité. C'est ça le problème, cette infinité d'acteurs, il faut l'expliquer. Et comment l'expliquer? L'explication n'est pas compliquée. Les gens prennent les armes quand ils sont à bout. La violence est une formule, en fait, qui permet d'avoir la place, une place à la table de négociation. Donc ce qui se passe, c'est que si les gens recourent à des armes, c'est parce que leur parole ne porte pas. Le fusil devient la parole et donne la possibilité. Ce qui fait que, parce que justement les gens ne sont pas associés, c'est là où c'est important. C'est là où, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où l'Afrique est différente de l'Europe. Où il y a des logiques d'organisation qui sont des logiques d'organisation politique, qui sont des systèmes qui permettent une intervention individuelle, parce que l'individu semble être l'élément principal de l'espace politique, alors qu'en Afrique, on n'a pas ça. On n'a pas... Il y a des individus. Il y a un individualisme spécifique. Mais il y a surtout des communautés. Et des communautés qui se sentent assiégées ou prêtes à défendre des positions déjà acquises. Ça veut dire qu'il faut amener tout le monde à la table. Si vous ne les amenez pas, ils vont se regrouper dans autre chose. Et les gens jouent de cette multiplicité d'appartenance. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas une seule appartenance. Il y a de multiples. Vous pouvez faire un accord sur la base de la communauté ethnique. À l'intérieur de chaque communauté ethnique, vous avez des explosions qui sont des explosions religieuses ou des explosions régionales. Et vous avez d'autres fragments et d'autres formes de fragmentation qui font que les gens veulent être à la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, à partir de cette présence multiple, arriver à imaginer une communauté qui inclut l'ensemble de ces différences pour éviter des cristallisations qui deviennent meurtrières. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore imaginé en Afrique, on veut effacer des formes d'affiliation en disant elles sont contre cette citoyenneté très individuelle, mais on n'a pas un imaginaire national qui permette aux gens de pouvoir faire des va-et-vient, parce qu'on fait toujours des va-et-vient entre différentes identités. Et ce qu'il faut aujourd'hui à l'Afrique, c'est un imaginaire qui n'efface pas les identités, mais qui fasse des identités qui participent d'une communauté plurielle. Et c'est cela aujourd'hui, en fait, le défi. Parce que c'est ça le système congolais, il n'y a plus d'État, il n'y a rien. C'est-à-dire que votre question, elle n'est même plus légitime, elle est dépassée. Il n'y a pas un autre choix. C'est ça la réalité, et ce sera ça la réalité tant qu'on ne trouvera pas une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de mécanisme permettant d'être présent dans le système, probablement sans cette violence. Je veux dire, ça, c'est le constat qu'on doit faire et construire à partir de ce constat. Et non construire à partir d'une situation idéale qui n'existe pas. Le Congo, c'est fini. Et dans la plupart des pays africains, il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de répression.
Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, on va pouvoir revenir à quelque chose sans tenir en compte? Il y a eu trop d'impunité. Et il y a eu des situations tellement difficiles que les gens sont forcés de se défendre. Je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui la justification de Ouattara disant pourquoi la... Ils disent qu'il n'y a pas la guerre. Comme dit son ambassadeur en France, la violence, elle est exercée pour prévenir la violence. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il dit, nous avons essayé, on a accepté toutes les solutions pour que Gbagbo s'en aille. Il ne s'en va pas. La communauté internationale n'a pas été, en fait, n'a pas été capable de le faire partir. Il utilise la violence, on va utiliser la violence contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre description de la situation idéale est une description idéale, mais elle ne tient pas en compte la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tenir en compte cette réalité et agir à partir de cette réalité. Parce que tant qu'on agit à partir d'un idéal, ce que vous décrivez, c'est ça qui arrive. Les gens vont signer. Et l'autre problème qu'on voit très bien, et c'est ça qui montre la motricité des sociétés africaines, qu'elles ne sont pas exclusivement motivées par des questions ethniques ou religieuses ou régionales, mais que les Africains ont leur manière à eux d'intervenir comme acteurs politiques. C'est-à-dire que leur chef ou supposé chef peut aller négocier tout ce qu'il veut. Quand il revient, les gens le regardent et font autre chose. Parce que justement, la volatilité de la situation fait que, et c'est ça l'extraordinaire capacité d'adaptation des Africains. Les Africains sont aussi flexibles que le contexte dans lequel ils agissent. Ils savent que tout change, donc ils sont toujours prêts à ça. Ils sont opportunistes, et cet opportunisme est dicté par des situations d'une extrême complexité. Oui, parce que ça va prendre énormément de temps. C'est une reconstruction, et c'est une reconstruction qui nécessite la prise en compte de beaucoup d'éléments, ce qu'on ne fait pas. On reste de plus en plus dans un cadre normatif. Mais encore une fois, quand on regarde l'Afrique, il y a eu des conflits qui ont eu un commencement, un milieu et une fin. La guerre du Biafra. Il y a des gens qui sont arrivés à reconstruire le lien social. Et ils sont arrivés à le reconstruire par eux-mêmes. Parce que c'est cette culture qui est produite à l'intérieur, y compris la culture produite par le conflit, qui permet, je répète le mot, de réimaginer la communauté nationale. Et de la réimaginer en prenant en compte les différents imaginaires ethniques, religieux, régionaux, etc., etc. Et c'est cela, et ça prend du temps, et nous devons nous donner du temps. Ça prend du temps parce que ça demande une construction institutionnelle, ça demande une construction culturelle, ça demande une éducation forte, ça demande une économie capable de supporter un projet commun. Et c'est ce travail sur le projet commun qui est aujourd'hui, en fait, ce qui est le plus absent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision. On tente de régler des problèmes au coup par coup, au lieu d'avoir une vision, de proposer aux gens un rêve, qui était, par exemple, le rêve de l'indépendance, qui a fait qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, plein d'Africains ont admis, la majorité des Africains ont accepté l'idée de créer de nouveaux États, l'idée de vivre ensemble tout en étant différents. Ce sont ces rêves qu'il faut reprendre. C'est pour ça que je parle d'une discussion constante, d'une conversation permanente, d'un dialogue qui permette aux gens, petit à petit, comme ça s'est passé en Europe, de construire effectivement une identification nationale et de se doter d'une volonté de vivre ensemble.
Et dans beaucoup de cas, en fait, je pense que les Africains ont fait énormément de progrès à ce niveau. Aujourd'hui, les gens peuvent se battre, prendre des armes à l'intérieur des États, mais aujourd'hui, il y a très peu de mouvements irrédentistes en Afrique, des gens qui veulent l'indépendance. Le Congo, personne ne veut faire sécession. Absolument. C'est extraordinaire. Et ça, c'est important. Le Nigeria, quels que soient les problèmes que le Nigeria, personne ne veut faire sécession. On pouvait penser à l'Afrique du Sud. Il y a une culture commune qui est en train de se forger en Afrique du Sud aussi, etc., etc. Le grand problème des commissions de justice et réconciliation, c'est que malheureusement, même si politiquement elles sont efficaces, ces commissions, l'énorme problème que les commissions posent, c'est que autant la justice que la réconciliation ne sont pas achevées. Et là aussi, c'est ce que je disais, ce sont des processus qui ne doivent pas être ouverts et clôturés. Ce sont des processus qui doivent être des processus permanents. Parce que si on les maintient en permanence, on arrive à constituer un dialogue et à identifier constamment les problèmes et à pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on crée une culture commune. Et c'est cette culture commune qui est indispensable. Et c'est parce que cette culture commune est à la base de valeurs partagées. C'est comme ça seulement qu'on peut établir, vous savez, un espace, un territoire, en fait, qui est défini et dominé par l'éthique. S'il n'y a pas cette culture, il ne peut pas y avoir une éthique partagée. C'est plus compliqué, si vous voulez. Mais en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les grands historiens africanistes ont montré il y a très longtemps, quelqu'un comme John Ayliffe, qui est un historien britannique de l'Afrique de l'Est, qui a commencé à écrire sur le Tanganyika. Il a publié il y a très longtemps une histoire, 75, une histoire moderne, du Tanganyika, en montrant en fait comment Allemands et Français et Anglais, la première colonisation était allemande, la seconde anglaise, ont véritablement créé des tribus. À la limite, ont donné des noms à ces tribus-là, qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'un groupe qui habitait à l'est du lac Tanganyika s'appelait le groupe de l'est du Tanganyika. Quand ils bougeaient à l'ouest du Tanganyika, ils se retrouvaient avec un nom qui était les gens de l'ouest du Tanganyika. Mais comment les Anglais, pour des raisons administratives, comme je disais tout à l'heure, ont créé ces unités figées, les ont dotées d'une tradition légale et d'une tradition culturelle pour pouvoir les gérer. Et comme je disais tout à l'heure, comment les Africains ont pris cette opportunité qui leur permettait d'exister dans ce nouveau cadre administratif et se sont appropriés. Donc vous voyez, c'est plus compliqué. Il y a des logiques d'interférence, ce que les historiens appellent des logiques de transaction entre différentes ressources internes et externes qui font qu'il y a des nouvelles réalités qui se bâtissent et de nouvelles références. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a eu, et c'est vrai, ce que Lonsdale, un autre historien anglais, John Lonsdale, qui est spécialiste des Kikuyu, a appelé l'économie morale de l'ethnicité. Et l'économie morale de l'ethnicité, à l'économie morale de l'ethnicité, il oppose ce qu'il appelle le tribalisme politique. L'économie morale de l'ethnicité, c'est la logique interne de ces groupes qui se sont constitués, quelles que soient les manières dont, en fait, ils se sont constitués, et leur histoire propre peut être une histoire, ce dont on parlait, en fait, d'engagement et de désengagement à l'intérieur et à l'extérieur avec les voisins. Par exemple, des logiques qui sont en général des logiques d'échange de femmes est essentielle pour comprendre les dynamiques ethniques, qui sont des dynamiques internes.
Et ce qu'il appelle le tribalisme politique, c'est quand le groupe ethnique devient une ressource politique. Et je dis bien une ressource politique pour la bataille politique. Et c'est ça, c'est là où on trouve la manipulation. Et c'est là où il y a le danger d'une ethnicité qui est une ethnicité qui crée, et ça c'est un sociologue nigérian, Peter Eke, qui décrit cette logique dès les années 70, en 75, dans un article qui intitulé « The Two Publics », c'est-à-dire l'idée que l'Africain appartient à deux espaces publics. Un espace public qui est l'état de l'espace, qui est l'espace public de l'État, et un autre qui est son espace ethnique, communautaire, etc. Et c'est le clash entre les deux, où la non-articulation des deux qui crée un problème. Ce n'est pas l'effacement de l'ethnicité qui va résoudre le problème, c'est comment articuler ces deux logiques pour créer un espace qui est un espace qui est le produit de l'histoire propre des sociétés africaines, pour pouvoir aboutir à un équilibre où l'ethnicité n'est plus une ressource politique exclusive, mais où l'ethnicité devient effectivement une des ressources de l'espace public. Comme la ressource religieuse, par exemple, les partis de la démocratie chrétienne peuvent être une ressource de la mobilisation politique, tant que ça ne crée pas des cristallisations. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est vrai que c'est très difficile à cause de l'histoire de l'ethnicité en Afrique, mais il est évident qu'on doit faire ça, d'autant plus que contrairement à ce qu'on voit dans des pays qui veulent, soi-disant, éviter l'ethnicité, on se retrouve dans des situations où il y a une institutionnalisation, comme au Cameroun, la question de l'autochtonie, comme la base de la représentation au niveau du pouvoir local, qui crée les mêmes problèmes et qui montre. Beaucoup de chercheurs ont montré comment l'autochtonie est aussi un produit du développement du capitalisme en Afrique, etc., etc. Donc, prendre en considération ces éléments dans leur complexité est aujourd'hui la chose la plus importante, et non, comme je disais tout à l'heure, se détourner d'une réalité qui est aussi massive. Donc, cette logique, il faut prendre à la fois la logique de ce qu'on appelle l'économie morale de l'ethnicité, qui est une évolution propre, qui n'est pas nécessairement meurtrière, et le tribalisme politique, qui est effectivement l'utilisation, la manipulation de la ressource ethnique comme ressource dans, disons, l'entreprise politique.